Salut, salut, salut à tout le monde, salut nos amis téléspectateurs, salut nos amis internautes, bienvenue chez vous, c'est moi encore votre serviteur Josué Boloa. Je suis venu encore dans vos petits écrans et à vous les amis internautes, vous avez branché naba laptop nabino, naba computer nabino, naba tablette nabino. Nous sommes venus encore dans vos petits écrans pour encore réfléchir encore, une édition spéciale. Voilà, ça c'est une édition de Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa, dans votre site internet www.congodialogue.com. Très ravi de recevoir encore un compatriote, un Congolais, celui qui a toujours le souci de l'épanouissement et du développement de notre pays. Je crois que c'est vraiment une phase à ne pas ignorer. Nous l'avons reçu dans des émissions précédentes. Aujourd'hui, nous allons encore discuter avec lui l'évolution de la politique de la RDC. Où sommes-nous? Mboke Zokendewapi, RDC Zokendewapi, Tozawapi, Tope Tozokendewapi. Après des manifestations, des tensions que vous avez suivies, vous et moi, ce qui s'est passé au niveau de la ville de Kinshasa et tout étendu de la RDC, je crois que les Congolais se posent beaucoup de questions. Et je crois qu'ensemble avec mon invité du jour, nous allons essayer un peu de réfléchir. Est-ce que ça va? Le train qui conduit la RDC, Eza Nanzela Malam, Totoza déjà Libana. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité, à la personne de Monsieur Djemadari Kilele, le président du Parti National Congolais, résident ici en Afrique du Sud. Monsieur, bienvenue encore. Merci beaucoup. Merci sur votre plateau. Mmh. Merci et salut à tous les téléspectateurs. Voilà, je crois que nous allons parler plus de détails de ce qu'est M. Djemadari Kilele. Je crois qu'avec nos émissions précédentes, les gens ont été vraiment très bénis, très édifiés, révolutionnaires même, disant que vraiment, tous en avaient besoin de Moutouboué. Pourquoi pas comme président Lelo Oy, hein? Je crois qu'on avait quand même des résultats et puis des feedbacks un peu positifs. Il y a eu des accords signés, des débats encore, des dialogues, ainsi de suite. Je crois qu'avec les émissions précédentes, vous nous avez bien prévenu que accord tout dialogue au même Akongona et le place mon côté. Oh. Aujourd'hui, Tozo Kota Lesus Nakati, il y a dialogue en Golesus. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez en tête? Merci. La réponse sera une répétition de ce que j'ai dit. Yes. Et ce que vous venez de dire. Ce que j'avais prédit, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir prédit ce qui est arrivé. Tolobagi, qu'il n'y aura pas un résultat positif, parce que tout au début, on s'était trompé en nous engageant dans ce dialogue là-bas. Nous avions dit, et nous le disons encore, qu'on ne dialogue pas avec un criminel. On ne dialogue pas avec un gouvernement criminel. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est venu au pouvoir en prenant des armes de deux ou de trois manières. L'AFDL, quand elle est entrée, c'était les armes. Ce n'était pas une démarche démocratique. Sans doute, c'est une des formes classiques dans la prise de pouvoir. Ceux qui ont fait les droits, ceux qui connaissent bien l'actualité politique, connaissent qu'il y a trois, quatre façons d'accéder, de prendre le pouvoir dans un pays. Quand il a été soi-disant élu en 2006, il a été mal élu, il n'avait jamais été élu. C'était la tricherie. En 2011, je pense que c'était la même chose. Donc il y a eu la fraude électorale. Et puis, il y a eu la confrontation armée avec Jean-Pierre Bemba. C'était tout cela, pour moi, je trouve, c'était de la brutalité. C'était un coup d'État. Partout, c'était des coups d'État. L'entrée de l'AFDEL, première élection, deuxième élection, tout ça, c'était des coups d'État. Contre le peuple congolais, contre l'État congolais. À part ça, les Congolais sont bien avisés que nous avons affaire à un étranger
qu'il soit africain, noir ou pas, mais c'est un étranger. Les cartes, les frontières des cartes ont déjà été tracées et ça ne sert à rien de pouvoir réviser ça comme Kagame voulait le faire. Il est africain, d'accord, mais il est étranger. Tous les Congolais savent que ce type, c'est un étranger. Ce n'est pas un point du jour. Oui. Alors, s'engager dans un dialogue, ils ont coupé Sabissou et l'autre de mon côté. Parce que c'est lui qui avait promulgué cette constitution il y a quelques années, je pense en 2006. Il avait brandi la constitution comme ça, les documents. Yeah. Ce document, c'est un contrat social qui les lie à la nation, qui les lie à son gouvernement, qui les lie au monde entier. Parce que le Congo fait partie des pays qui respectent les droits internationaux. Et même dans son dernier discours à la nation, il a dit « Mon sort est déjà réglé par la Constitution ». Il a dit ça. Ce que signifie, si son sort est réglé par la Constitution, il doit respecter cette Constitution. Alors, s'engager dans un dialogue avec lui, c'est déjà une trahison du peuple, de la population et de la même Constitution. C'est une erreur. Vous savez, d'entrer dans les halls et s'engager dans des discussions avec un criminel. C'est comme quelqu'un qui veut faire comprendre aux djihadistes, aux musulmans, que Allah n'est pas Dieu, que le prophète Mohammed n'est pas un prophète. Ça ne peut pas entrer dans leur tête. Yeah. Ça sera difficile. Ça sera difficile. La réaction sera de vous trancher la tête. Yeah. Il en est de même avec lui. Vous voulez lui faire comprendre quoi? Quelqu'un qui y a fait son ascension au pouvoir par les armes et par la tricherie. L'unique langage qu'il comprend, c'est le langage du sang. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas, parce qu'en allant dans les discussions, nous sommes en train de nous agenouiller devant lui, nous l'implorons, comme nous le faisons dans les églises, dans les mosquées et dans d'autres lieux saints. Nous lui disons, pardon, tika pouvoir, pardon. En tout cas, maintenant, nous sommes ici, kende kakanayo. Mais ce n'est pas ça la position ou le langage que nous devons tenir. La Constitution tranche net les deux mandats qu'il a usurpés. Il a usurpé parce que ce ne sont pas des mandats normaux. Comme nous lui avons permis d'arriver à la fin de ce mandat, nous n'allons pas nous agenouiller devant lui. Nous devons les tuer. C'est tout ce que nous devons faire. L'arrêter, c'est encore lui donner un peu une chance. Nous devons l'exécuter. Comme on a fait au président roumain de l'époque, je pense, Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, le génie des Carpates, lui et sa femme Elena. L'armée s'est emparée d'eux et les a exécutés sommairement. Il faut le faire. On a fait la même chose avec Samuel Doe. Nous devons l'exécuter. Qui ne quitte pas le Congo avec ses pieds, comme les gens disent, non, Akene et pas Aouta. Non, Akenete. Il a volé, il a tué, il a organisé des assassinats massifs, il a organisé l'Holocauste. Lui et ses acolytes doivent être tués. Donc, le dialogue n'apporte rien et n'apporteront rien. C'est juste un circuit des assoiffés qui veulent remplir leur CV pour qu'on dise un jour qu'ils ont été ministres. C'est tout. Monsieur Kilele, je crois que vous n'avez besoin d'y revenir à ce que nous avions parlé dans des émissions précédentes.
Vous avez soulevé, vous avez encore d'évoquer le point en question, que les dialogues, en fait, ça affaiblit le processus et ça ne respecte pas la Constitution. Tout mais dis-moi, il y a des partis, il y a des opposants, il y a des partis, des oppositions qui disent que c'est le seul moyen. Oyokomema Kimia Namboka, parce que Mbongweza quitté, il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Je ne sais pas quel sera votre point de vue là-dessus. Il y a un moyen qui a rapport à Roluka. Kimia peut éviter violence. Il y a quelques semaines passées, il est allé que les gens sont focalisés sur le Christmas, mais ça l'a mité. Le rapport de Zopé Samabi, il y a au moins plus de 22 mois. En fait, le problème est que le dialogue, selon la partie opposante, il y a un moyen pour éviter la violence dans le cas. Comme moyen pour organiser l'élection, il y a un dialogue, et je vais vous lire le rapport tout à l'heure là. Élection et salam malam. Pour tous les temps, et pour ça l'élection, tu as vanda, tu as yokana, tu as dit que tu as l'élection pour tout le temps, légalement, à cause là, comme président, pour diriger la nation congolaise. Ce n'est pas ça la solution. Le dialogue est salami mingi na Congo. Même avant San City, en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de dialogues. Ce n'est pas ça qui arrange. La situation. Et puis, il n'y a jamais eu la paix au Congo depuis que Mobutu a Koufa. Yeah. Il n'y a jamais eu la paix. Nous ne devons pas nous voiler la face. Depuis que l'AFDL est Kota, Mobulupe est Kota Ramboka, Batoba Koufi, ma infrastructure est allée détruite. Il y a la mégestion. Il y a une organisation mafieuse pour dilapider les biens publics. Donc, qui mieux est Kota te? Et ce n'est pas à la 13e heure de la journée qu'on doit nous dire que non, pour que Kimé Zala, il faut tout un dialogue. C'est un échappatoire. Dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est un mensonge pur et simple. Pourquoi? Nous ne sommes pas les seuls. Il n'y a pas que les Congolais qui sont des observateurs ou des analystes. Il n'y a pas longtemps, la commission Bloomberg aux États-Unis est publié et dénoncé la famille du soi-disant Kabila et Zali na 79 sociétés na Congo. Je peux me tromper sur les chiffres, si c'est 79 ou 79, mais au moins c'est dans la septantaine de sociétés. Il y a famille Naye Kaka. À part ça, sa famille détient 120 permis d'exploitation minière au Congo. Sa famille seulement. Mais bien avant ça, il y a eu un scandale mondial où l'on a parlé des Panama Papers. Panama étant un des paradis fiscaux, il n'y a pas que le Panama, parce qu'il y a l'île de l'homme, il y a l'île Salomon, il y a beaucoup de paradis fiscaux où ce mercenaire et sa famille ont transféré l'argent qu'ils ont volé et qu'ils continuent à voler au Congo. Si ce type est déjà coté sur le marché d'investissement 15 milliards de dollars en ayant 8 ans, 10 ans de pouvoir, c'est plus que ce qu'on dit que le maréchal Mobutu a volé. Lui qui aura fait 32 ou 33 ans au pouvoir. Lui en 15 ans. Plus de 15 milliards de dollars. Ce qui va le dire que Mbongweza l'a quitté. Ou Mbongweza l'ité. Pourquoi on ne peut pas arrêter ce type et demander à ce qu'on puisse retourner cet argent au Congo, pour organiser ma élection. Ça, c'est un. De deux. Il n'y a pas longtemps, le nouveau président Yasseni, si c'est Corneille Nanga, je ne sais pas s'il provient d'où, si c'est un Ougandais ou un Rwandais, parce qu'on ne connaît pas ce type, juste après la mort
d'un autre homme obscur là, Malu Malu, on voit un type qui sort je ne sais pas d'où, et on dit qu'il est expert en élection, je ne sais pas s'il y a une faculté où les gens vont faire l'expertise des élections à l'université ou dans une école quelque part. Mm-hmm. Du coup, Corneille Nanga, et il prend un nom très poétique, Corneille. Mm-hmm. Tu vois, ça, ça nous rappelle l'ancien dramaturge français Pierre Corneille. Mm-hmm. Qui a écrit la fameuse pièce de théâtre Les Cides que moi j'ai étudié. Mm-hmm. Corneille Nanga, il sort du néant, pouf. Mais bah, ça qui est bon, Ndambo est un bon côté. Mm-hmm. Peut-il justifier, il a fait quoi avec cette partie? Même à Tesla qui 100 000 dollars. Mais il doit justifier, Mbongo n'est qu'un équipe. Je ne pense pas que ça a été l'argent, bah, ça qui est pour la corruption, pour continuer à faire le tripotage, il y a ma fichier électoraux. Alors, on doit demander ou arrêter Kabila et demander à ces paradis fiscaux, Batine de l'Abisso, Mbongo Nabisso, na Congo, tout organiser l'élection. Il y a de l'argent au Congo. Donc vous pensez qu'il y a eu de l'argent? Il y a encore de l'argent? Il y a eu. Il y a de l'argent. Pouvoir en place, ça n'a pas coûté. C'est une mauvaise volonté. Comment celui qui est le garant de la nation, pas seulement de général d'armée, il est le garant de la nation. Il peut dire que c'est ni Ezali indépendant, ouais. C'est ni Ezali institution, n'est-ce pas? Ezali institution, mais cette institution, il y a Seni Sokotali Yango très bien. Bazali Bango tout dépendant de PPRD. Seni, Parlement, Sénat, tous répondent aux ordres de PPRD. Yeah. Parce que leur Nani Akoufi, Nani Malu Malu Akoufi, on devait peut-être lancer des appels d'offres pour engager quelqu'un qui est spécialiste dans l'élection. Oui. Et celui-là devait provenir de n'importe quelle obédience. Comment, quand vous suivez le langage de ce type, il parle le langage péperdien. Donc, ce n'est pas une institution indépendante. C'est une institution inféodée au PPRD. Bango, Bayebi, ce qu'il lui donne comme argent et la mission qui lui est confiée. Mbongo, Ezali, na Congo. Beaucoup d'argent. Alors, eux veulent prolonger la mandature de ce soi-disant Kabila pour continuer à manger, à voler et à paupériser la population congolaise. Oui. Donc il y a de l'argent. C'est une mauvaise volonté seulement. C'est une mauvaise volonté. Parce que le lot, banomé nani un premier ministre. Yeah. Comment un président dont le mandat arrive à son terme, yeah, peut nommer un premier ministre sans se faire nulle part au monde? Son mandat est terminé. Il nomme un premier ministre avec quel pouvoir? C'est ce que nous, les Congolais, nous appelons Nzombo le soir. Oui, Nzombo le soir. Mandat Nessili a nommé premier ministre. Le premier ministre qui nous nomme, qui constitue une équipe, je ne sais pas, de 50 ou de 55 ministres. Maintenant, oui, ça monte même aux enchères, 67. Bon, il y a le gouvernement qui a installé 67 ministres. Mbongo Kouta. Il n'y a que le Mbongo pour installer les ministres, mais il n'y a pas le Mbongo pour organiser les élections. Non, ça c'est se moquer du peuple congolais. Et nous n'allons pas accepter ça. Ce gouvernement doit tomber. Et ceux qui l'ont avalisé au Parlement ou au Sénat sont tous des traîtres. On n'a pas besoin de ce gouvernement. On n'a pas besoin de Kabila. Ce que nous devons faire, c'est tuer Kabila et constituer une transition, pas avec le PPRD. Le PPRD n'a plus le monopole du pouvoir. Parce que après la fin de la mandature de leur chef de file, toutes les institutions tombent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Constitution l'a dit. Le Sénat, le Parlement, le cabinet ministériel, donc le gouvernement, tombent immédiatement. Mais alors, on nous amène un gouvernement Nzombo le soir pour faire quoi avec ça?
Pour faire quoi avec ça? Ça, c'est une grande question que M. Djemadari Kilele se pose. Il se demande pour faire quoi avec le gouvernement qui a été mis en place, je crois, c'était annoncé vers le 18, le 19 c'est décembre 2016. Et sachant que selon la constitution, la loi qui régit le pays, que le gouvernement en place devait terminer son mandat et que nous puissions aller aux élections, comme tout autre pays en font, n'est-ce pas? Alors, M. Kilele, si vous êtes juste venu nous rejoindre, vous avez des questions, des préoccupations, vous hésitez, vous avez numéro dans votre petit écran, vous comme la bise, vous avez n'est-ce pas pour ça la réflexion Nabino. Je suis avec Monsieur Kilele Naplato Nabiso. Il est le président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud. Alors vous approchez à congodialogue.com. Bonjour dans l'émission Nabiso. Monsieur Kilele, une réflexion un peu très 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 poignante, une réflexion un peu natique naba. Téléspectateur va me faire réfléchir un peu. Peut-être parce qu'il t'encore réfléchir en côté. Mandé Sili, gouvernement en place. Même si vous êtes en place là, vous êtes aussi analyste politique. Vous êtes aussi fait partie de ces débats. Vous êtes aussi la bienvenue à nous contacter pour que nous puissions discuter ensemble, avoir un éclaircissement sur cela. Après le 29, après le 20 décembre, M. Kilele, il y a eu un accord politique qui a été conclu. Je cite, je crois que nos téléspectateurs, nos analystes politiques qui ne peuvent pas me dire le contraire, pour le loyer, l'orable, l'orosana, soussoir, donc nous avons tous connecté là-bas, rapport au radio Capes, au Pessabiso, politique, au CD Direct, point CD, au Pessabiso, et puis là-bas, RFI, au Pessabiso, alors que tu as vu que le global, le bâté, le bossa, la télévision, la bino, donc tu as eu l'information, tu as renseigné, les anabas documents, et vendi, il y a un singe, tout le valor. Ce que vous avez besoin d'informations, d'ailleurs, ne cherchez pas à critiquer sans pourtant en demander. Il y a l'accord politique conclu, il y a les rassemblements de Tshisekedi, plus les signataires de l'accord du 18 octobre. Ils ont dit ceci. Oui, peut-être le pouvoir en place reconnaissent que le mandat est sili. Mais étant donné que l'élection Salama a quitté, il y a un dialogue. Dialogue, on est côté ici et sang ici, rassemblement, où est dirigé par le docteur Étienne Tshisekedi. Et puis, il y a un signateur, Balobi. Le premier point, Balobi, M. Joseph Kabila reste président, mais ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat. Votre point de vue là-dessus. C'est une traîtrise. Et je pense ici que les Congolais, tu as une chance de faire ce qu'il dit. Ce qu'il dit, et Hippolyte Kajamber Kanambe doivent être arrêtés. Celui, j'ai suivi son discours, il a dit la population congolaise ne doit plus reconnaître Kanambe et il n'engage Kanambe ne doit plus engager le Congo ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays parce que son mandat est terminé. Vous savez, pour un homme de droit de surcroît avec un grand titre, docteur en droit, parce que chez nous, dans la conception africaine, on croit un docteur, c'est un savant. C'est scandaleux pour un docteur en droit qui doit demander à la population de ne plus reconnaître Kabila, soi-disant Kabila, entre guillemets, comme étant président. Mais lui s'engage dans une discussion de première mi-temps et de deuxième mi-temps. Vous voyez? Nous allons bientôt, la deuxième mi-temps. Et nous attendons la conclusion ou le verdict de ce qui provient d'être là. C'est paradoxal pour quelqu'un qui a fait le droit. Et là, je défie tout homme de droit qu'ils doivent faire très attention. Et ils se disent, les hommes de droit, et ils croient que le droit, la loi, c'est un domaine privé pour eux. Mais nous tous, nous lisons ça, bien que nous ne soyons pas tous du domaine. Ce sont des livres qu'ils ont écrits. C'est paradoxal. Tu sais qu'il dit, c'est trompe. Et tout ce qu'il dit à la population, c'est un mensonge. C'est un agent du pouvoir en place. Peut-être. Je réponds mal à ta question. Je ne veux pas trop dire parce que j'ai trop parlé de Tshisekedi. Et je trouve que ce serait lui donner trop de poids ou de prestige quand je continue à parler de lui. Parce que l'IDPS
et le peuple congolais doivent se trouver un autre leader ou complètement écarter ce type ici, parce que ça provient d'une sorte de débilité mentale. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit. C'est comme un perroquet. Ouais. Et ça ne le fait pas respecter au public. C'est pas ça. Il doit se retirer. Et voilà. Mais il est appelé l'espoir de la nation congolaise. Non. Hein? C'est grâce à lui aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas de tension, de violence. Bon, vous savez, je vais lui donner un sobriquet. Hein? Mm. Il doit désormais commencer à s'appeler, ou nous devons commencer à l'appeler, Monsieur l'Anesthésie. Monsieur l'Anesthésie, c'est la vie. Vous connaissez dans le domaine médical, quand on veut vous opérer, pour que on vous mette dans un état végétatif, et on vous injecte ce liquide, afin quand le médecin amène son bistouri, il vous opère, vous le regardez comme un robot et vous ne sentez pas la douleur. C'est ce qu'il fait. Chaque fois que la population va se réveiller, lui injecte à la population avec son discours l'anesthésie. En demandant à la population, vous devez vous mobiliser, mais manifester pacifiquement. C'est de l'anesthésie. Hein? Il n'y a jamais eu de révolution pacifique au monde. Le mot révolution lui-même sonne une violence. Ouais, ça. Mm-hmm. Ça tranche une violence. On peut bien. Bon, la révolution signifie les changements, mais très souvent, dans le mental de tout le monde, quand on parle de la révolution, il y a toujours un élément de violence. Et nous tous, le monde entier, se réfère à la Révolution française. Elle demeure une leçon du monde entier, la Révolution française. Elle nous a appris comment se débarrasser de la monarchie, de la dictature, de méchants hommes, des ingrats. Voyez. Et là, si vous permettez, peut-être avant de poser notre question, comme j'abonde dans la référence historique de la Révolution française, si vous me permettez une minute, je dois parler, même en comparaison avec le prélat, la Cinco. Vous savez, vous me permettez? Ok. Je crois que cet accord que je vais énumérer, c'est ce point-là. Ils ont dit après leur dialogue hein, que cet accord sera présenté demain. Donc c'était le jour suivant, demain en plénière, suivi de la signature et médiation de la CENCO. Donc nous y arriverons. Comme ça, vous allez nous dire la position, parce que c'est comme si la RDC pour le moment dépend que de la CENCO. Voilà. Et là, je ne vais pas vous donner assez de chance. Voilà. Je vais directement parler de la CENCO. Voilà. Je pense désormais, nous au Congo, nous devons être stricts. Lorsqu'il y a un groupe d'individus ou un individu, peut-être moi, mais parlons d'un groupe d'individus, doivent se prévaloir du droit de parler au nom du peuple congolais. Je pense, avec le temps, ils doivent présenter un mandat qui leur est donné par la population. Parce que je ne néglige pas totalement ce que le prélat, ce que la CENCO fait. Mais je disais, parce que il n'y a personne qui a mandaté ce religieux de parler au nom du Congo ou au nom des Congolais. Sans embâche, je dis que c'est une usurpation du pouvoir. Parce que dans l'histoire, nous connaissons combien l'Église catholique et le prélat ont trahi le monde. Vous voyez? Nous connaissons, même lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale déclenchée par l'Allemagne, comment, quel était le rôle du Vatican pour faire échapper les criminels nazis. Nous connaissons ça. Alors je disais que le prélat
Parce qu'on n'a pas le mandat du peuple pour parler au nom du peuple. C'est une usurpation du pouvoir. Mmh. Vous savez, quand vous allez dans la Révolution française, mmh. et je me rappelle, c'était au mois de mai 1789, quand le roi Louis XVI avait convoqué les États généraux, mmh. il y avait 1200 délégués qui sont venus de partout à travers la France. Et quand ils étaient au château de Versailles, les rois, ses ministres et les membres de la noblesse et des clergés se sont retirés. Mmh. Après un moment, il a laissé les délégués dans les halls. Et il a envoyé quelqu'un pour demander aux délégués, aux députés, de foutre les cas, de se disperser, de s'en aller. Il y avait un homme héroïque et qui s'appelait le comte de Mirabeau, mm-hmm. qui s'est levé. Et c'est moi que je me lève mm-hmm. à son honneur. Et qui a dit, va dire à ton maître que nous ne quitterons pas cette salle sans que on rédige une constitution pour la France. Nous ne quitterons ici que par les coups de baïonnette. Je m'assois. Mmh. Nos prélats, le gens de Cinco, mmh. ne devaient pas continuer à discuter avec les délégués de Hippolyte Kagame Kanembe. Ils ne sont pas allés là-bas pour discuter, pour dialoguer. Si réellement ils nous disent qu'ils parlent pour le peuple congolais et le Congo, mmh. leur mission serait de dire, nous sommes venus ici te dire, tu n'es plus président, respecte la constitution et nous n'acceptons et nous ne respectons que la constitution. Donc il n'y a pas de dialogue, nous voulons te le dire. Si tu ne sais pas lire les documents constitutionnels, nous te disons que tu n'es plus président et c'est fini. Alors, allez au deuxième, troisième, quatrième, cinquième round. Mmh. Au début, on nous a parlé d'un dialogue de 3 jours. Mmh. Je pense que nous allons à la deuxième semaine. Yeah. C'est quoi? Les religieux cherchent quoi? Et après, on nous dit non. Bon, ils ont ajourné les discussions pour aller lire la messe de Noël. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance congolaise? La messe de Noël. Mais nous sommes habitués à ça depuis 1482, depuis que les prêtres sont chez nous au Congo. Mmh. On ne fait que dire la messe, la messe, la messe. Ça a changé quoi? Et après cela, bon, ils ont pris l'avion pour aller au Vatican. Ah ben, finalement, on apprend que le président du Congo, c'est le pape. C'est ce qu'il veut nous dire. Que ce n'est pas Kabila, le président du Congo, c'est le pape maintenant. Ah bon, si c'est le pape, bon, d'accord, qu'est-ce que le pape nous dit maintenant? Quels résultats nous avons depuis qu'ils sont allés au Vatican? Alors, vous voyez que, et les prélats, il y en a 5 ans, et les opposants, soi-disant opposants, les opposants signataires et non signataires, coup de chapeau aux non signataires, mais signataires, ce sont tous des complices, ce sont tous des conspirateurs contre les Congo et contre le peuple congolais. Et alors, tout ce qu'ils auront décidé et le verdict qui en sortira sera non et non avenir, c'est nul. Sera nul et non avenir. Donc, M. Kirill, vous pensez que la CENCO n'a pas de place ou n'aura même pas de place et n'aboutira, n'apportera absolument rien pour la stabilité de notre pays? Écoutez, ce sont des citoyens congolais. Hein? Yes. Et la libération du Congo n'est pas un monopole d'un individu ou d'une caste. C'est pas ce que j'ai dit, comprenez-moi très bien. Mais ils n'ont pas reçu mandat du peuple. Vous voyez, ils sont différents de parlementaires.
je dis parlementaire et sénateur, sénateur dans un pays où il y a réellement la démocratie. Je ne parle pas du parlement congolais ou du sénat congolais. Ça, c'est de la bouillabaisse. Ça, c'est rien, ça. Ce sont des clubs de mafieux. Hein, ceux-là qui forment les congrès quand ils sont réunis. C'est pas ça. Je parle dans un pays où il y a la démocratie, en France, en Angleterre, ou aux États-Unis, etc. Là, dans un pays démocratique, le parlementaire et le sénateur ont mandat du peuple. Vous voyez ? Les nôtres n'en ont pas. Ce sont des mafieux. La même chose avec les gens de Saint-Con. Ils n'ont pas le mandat du peuple. Ce sont des conspirateurs. Ils ont fait un coup d'état moral. C'est la même. La religion, qu'est-ce que les églises font? Ils se disent, ils sont des donneurs de leçons de morale. Vous voyez ça? Qui a appelé les églises à donner la leçon de morale aux individus au monde? Qui? Parce que nous connaissons ce qui se passe au Vatican. Au Vatican, c'est de la prostitution. Au Vatican, il y a des femmes qui mettent au monde. Au Vatican, il y a des femmes qui avortent. Au Vatican, ils mettent au monde des enfants qui ne reconnaissent pas. Et les scandales étaient sortis de cela 5 à 7 ans, où les enfants en Angleterre, aux États-Unis, cherchent leurs parents qui sont des prêtres. Et même le pape, à l'époque, avant que le pape ne meure, est intervenu pour qu'on puisse calmer la situation. C'est pas qu'il le dit, c'est écrit dans la presse, c'est dit dans les médias. Alors, des gens immoraux comme ça, comment est-ce qu'ils peuvent représenter le peuple congolais sans le mandat du peuple? Ce sont des complices, ce sont des amis de Kabila, parce qu'ils ne passent pas leur temps pour rien là-bas. Ils sont payés. Pendant tout ce temps, il y a le per diem que l'opposition signataire et tous touchent comment vous appelez, ils touchent le per diem. Et par ici, moi, je demanderais même aux chrétiens congolais de cesser de donner des contributions de Mabonza dans ces églises là-bas. Parce que ces gens sont payés dans leur dialogue. Au-delà de ça, chaque dimanche ou n'importe quel jour, ils viennent là-bas avec des paniers pour nous rançonner, retirer même les paix que nous avons alors que nous ne travaillons pas, il n'y a pas de boulot au Congo. Et on donne de l'argent à ces gens là-bas qui veulent nous trahir dans ce genre de... Monsieur Djemadari Kilele, nous sommes avec lui, chers téléspectateurs, nos amis internautes, vous avez branché dans congodialogue.com, qui est dirigé la malade, la grande dame, maman Francine Nguembe. Monsieur Kilele, donc pour vous, la Senko, let's say we can make it in English, it's useless. Donc, ça, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir avec la Senko. Il a fallu que la Senko, yes. Excusez-moi si tu me donnes la parole, yes. Mais ils se disent l'église au milieu du village, n'est-ce pas? Et cela est vrai, n'est-ce pas? Ils sont partout, même dans les recoins du pays, il y a l'église. J'avais parlé de mon compatriote Tshisekedi, que si Tshisekedi disait descendons dans la rue, combattons ces gens, le peuple descendrait. Si l'église catholique qui se tape la poitrine, qui n'ont au Congo, il y a 85% des chrétiens, je ne sais pas, 10% des musulmans et le reste sont des syncrétiques. Si l'église catholique était le village, était l'église, était au milieu du village, et qu'il était plus près du peuple, et qu'il s'apitoyait au sort du peuple congolais et du Congo, il suffit que l'église dise, nous voulons que le Congo demeure toujours chrétien, ces gens sont venus nous envenimer, nous devons le combattre. Qu'est-ce qui les empêche de dire ça? Qu'ils ne se cachent pas sous des soutanes. Nous avons besoin de Bango, est-ce qu'il y a un Rwanda, il faut que nous nous occupions de ça. Les soutanes, c'est de l'hypocrisie ou quoi? Mais ils doivent cesser cette hypocrisie. Ce sont des êtres comme nous. Ils mangent, ils boivent. Ils font le sexe comme tout le monde. Pourquoi ils doivent? S'ils veulent s'impliquer dans la politique, on ne refuse pas, ce sont des citoyens du pays, ils doivent agir d'une manière ouverte et non pas aller là-bas comme ça, hypocritement. Si ce n'est pas ça, nous tous nous souffrons. Si le peuple congolais meurt, s'il y a l'Holocauste, il y a génocide, ils vont prêcher dans quelle église?
s'il n'y a plus de gens qui viennent là-bas. C'est bizarre. C'est bizarre. Mmh. Donc, ils doivent nous protéger, ils doivent être militants. J'ai dit à mon Sengo et j'ai dit à tout le monde, décrétez la descente dans la rue. Et vous verrez que tous les chrétiens vont descendre dans la rue et nous allons chasser les gens qui nous inquiètent. Je ne suis pas contre vous, je demande seulement à ce que vous soyez normaux. Il faut cesser l'hypocrisie. Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous avez les besoins comme nous. Vous êtes une institution, vous mangez, vous buvez, vous faites le sexe. Alors il faut mettre fin au mensonge et à l'hypocrisie. Voilà, M. Guilele Djemadari, chers téléspectateurs, nous ne voulons pas nous éterniser là-dessus parce que c'est une réflexion que nous voulons partager avec M. Guilele, le président du Parti National Congolais ici en Afrique du Sud, spécialement à Djobou. S'il y a des questions, des réactions contre ce qu'il a dit, vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas, à poster vos questions. M. Guilele, point de besoin pour moi de continuer encore à vous donner des rapports, n'est-ce pas, de l'accord politique qui a été conclu avec le rassemblement politique que dirige Étienne Tshisekedi, y compris Vital Kamerhe et ainsi de suite. Il y a le troisième point, ont dit que le gouvernement de transition avec les rassemblements, c'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement de transition. On n'en a pas besoin. Et avec le que le rassemblement doit diriger, vous n'avez pas besoin de cela. Il y aura... Surtout qu'il y a Azarias Ruberwa. Mm. Non. Kamerhe. Est-ce que la CENCO ne voit pas ça? Azarias Ruberwa qui fait proclamer institutionnaliser son frère à Minembo comme étant chef coutumier. Comment on devient chef coutumier dans un territoire où on n'est pas né? Comment ça sort de l'osmose, hein? La cheftainité provient des origines. C'est comme la royauté, c'est comme la monarchie. Mm-hmm. Les familles ont commencé. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons la reine d'Angleterre. Mais ce n'est pas n'importe quel Anglais qui va devenir roi ou prince. C'est toujours cette famille là-bas. Mm-hmm. Mais que cela soit mauvais ou pas, mais le monde est créé ainsi. Donc, du coup, son frère est intronisé chef coutumier de Minembwe. Mais il n'y a pas d'insulte que ça. Je demande à mes petits frères, moi je suis Moulega, à mes petits frères Babembe, faites la guerre contre les Rwandais qui sont à Minembwe. Attaquez-les, prenez toutes les vaches, parce que ces vaches mangent notre pelouse et nos feuilles. Donc, en retour, à Moulengue et partout, vous devez prendre toutes ces vaches, ce sont nos vaches à nous. Voilà. Voilà, mais c'est qu'il est, il y a un autre point que l'accord politique conclu entre le rassemblement des Tshisekedi ainsi que les sénateurs de l'accord du 18 octobre. Ils disent qu'il faut qu'il y ait libération de cette prisonnier politique. Il y a aussi abandon des poursuites et retour de Moïse Katumbi au pays en RDC. Il faut qu'il y ait mise en place d'un comité de surveillance. Je n'ai même pas voulu signaler le deuxième point qui dit qu'il y a tenu des élections en dernier trimestre 2017. Vous en avez déjà dit. Il n'y a pas de chance que les élections n'auront pas lié. Dès que nous allons arriver en 2017 ou 2018, il n'y aura pas d'élections. Ils vont toujours amener des prétextes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ils ont eu 5 ans. Mais c'est qu'il y a 5 ans, oui. Mais le type est garant des institutions. Comment est-ce qu'il n'a pas pu renflouer les caisses de l'État? Mais il savait ça. Et c'est là où j'attaque la CENCO. Mm-hmm. Vous savez, la CENCO sait très bien que pendant 5 ans, bateau, il fallait préparer Mbongo. Oui. Ils n'ont pas fait. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a fait une erreur? A commis une erreur. Mais il faut punir la personne, non? Oui. Mais la punition ici, c'est quoi? On n'a pas besoin de Kabila de la transition, on n'a pas besoin de PPRD, on n'a pas besoin de ce gouvernement ou d'un nouveau gouvernement de la transition. Il faut punir ces gens. Donc il n'y aura pas. Les élections n'auront pas lié. Ne soyez pas des naïfs comme on a toujours été. Il n'y aura pas. Alors tu parles de. Le retour de M. Moïse Katumbi et de. La libération politique. De 7 prisonniers politiques. Yes. Mais je pense qu'il y a plus de prisonniers que ça. Mais pourquoi il n'y a que ces 7-là qui sont des vedettes, hein? Les types qu'on a arrêtés, Eddie Kapend, Bazo Kotia est en prison pour Anini. Pourquoi Bazo Bimisayete, Aya Koloba réalité, Ndengenini et qui a tué Laurent Désiré Kabila? Mais c'était notre prisonnier. Même si le militaire qui n'appartient pas, peut-être.
Je ne connais pas son aspiration politique à aucun parti politique. Même il s'appelle Edi Kapendete. Naba Moussouana Bakangaka Bango lors de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas que les sept. Bafongola Makala Nyoso. Bafongola Angenga Nyoso. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés illégalement, sans procès. Et le Congo a besoin de la vérité que ces gens doivent nous dire. Donc, il n'y a pas que ces sept là-bas. Mm-hmm. Bofongo là-bas, Congolais, Nyoso, Oba, Kangama. Bon, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un désordre parce que parmi les Congolais là-bas, il y a des voleurs, il y a des assassins, etc., etc., qui ont commis des bévues. Yeah. Est-ce qu'il y a eu vraiment des bonnes auditions pour Bakangabango? Est-ce qu'il y en a eu? Je ne pense pas sous un régime d'occupation. Je ne pense pas. Mais moi, j'ai dit. Et que la bonne justice soit dite et faite. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à propos de ces sept, ce sont des Congolais comme tout le monde. Mm-hmm. Mais n'attendez pas Moïse Katumbi comme les chrétiens attendent, je sais pas, le retour de ce type-là. Comment on appelle ça? Jésus-Christ. Hein? On attend Jésus-Christ, ça fait 2000 ans, on nous dit que Jésus-Christ va revenir. Bon, c'est tout le jour qu'on attend, il n'arrive toujours pas, mais tout ça, ce sont des mensonges. Jésus ne reviendra, il viendra faire quoi ici, hein? Excusez-moi d'abonder dans la religion, mais ça fait partie de notre vie quotidienne. Et Jésus viendra faire quoi ici, sur la terre? Pour frapper à soi ou en terre, c'est ça qui est drôle. Bah, bêta est fort à cause de la terre. Ok, la planète Moussous a la terre, mais bêta est fort à cause de la terre. Et là, il y a Tika, on a la terre. Il viendra faire quoi ici? Qu'est-ce qu'il viendra? Jésus viendra faire quoi ça? Donc, la même chose, je voudrais parler de Moïse. Moïse, en quoi que ça a mené? S'il est en Amérique, en Belgique ou en Israël, c'est là chez lui. Mm-hmm. C'est un mercenaire économique qui est venu voler, piller. Et là, il y a Yibi et Kokite. Mais qu'il reste là-bas. Donc, à cet accord, on ne doit pas s'attendre match de Moïse Katumbi. Mais il va venir faire quoi? Qui est-ce qu'il est au Congo? Bon, il a été populaire, et il est populaire. Il a son équipe de Mazembe, il n'est pas le premier. Avant lui, Mazembe toujours arraché des coupes. Et même après lui, il y aura d'autres investisseurs qui vont prendre Mazembe et vont amener Mazembe à bon port. Mais ce que nous devons savoir, ce qui a sa lacrima B. Bon, la justice doit s'en occuper. Mais ça ne doit pas être des conditions de négociation. Yanine, parce qu'il est voleur. Il a volé, il a pillé le Congo. Il a pillé le Congo. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on doit appréhender, le juger. Il doit justifier sa richesse. C'est tout. Et il est qui? Qu'est-ce qu'il est? On n'est pas jaloux de son argent. Est-ce que lui, il a eu l'argent en Israël, au Portugal? Ou là où se trouvent ses ancêtres, il a eu cet argent au Congo, c'est l'argent du Congo. C'est comme nous demandons, Mbongo Mbutu a yiba ou alors qu'il tika en Suisse. Ezonga, Ezambongo Nabiso. Tous ces gens-là qui ont volé et qui investissent ailleurs, vous savez, si je deviens président, moi qui l'ai, il y aura des droits de poursuite. Comme Israël l'a fait contre les nazis. Tout pays qui aura hébergé quelqu'un qui a été avec Kabila, soi-disant Kabila, quelqu'un qui a détourné l'argent, même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Kasavubu, il y a des commissions. Tout celui qui avait volé l'argent du Congo, nous allons demander à ces pays-là d'extrader ce type ou cette femme, de revenir au Congo. J'ai dit ça plusieurs fois, nous n'allons pas tuer la personne. Nous allons lui tendre la manche. Mbongo nyoso oyiba zonga na ngona Congo. Yaka ko créer ba société na Congo pour os créer emploi na bande kunayo. En échange de la prison. Ce ne sera pas le pendre ou le tuer. Mais c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que le soi-disant Kabila a fait. Et les voyous de son frère qui tue les gens, si c'est Zoé, si c'est qui? Si ces gens aiment le Congo, pourquoi ne pas construire des routes?
Il y a des villages et des villages qui n'ont jamais été interconnectés. Pourquoi ne pas créer des routes? Pourquoi ne pas créer des écoles à Banalabiso? Pourquoi ne pas créer des hôpitaux? Pourquoi ne pas créer des universités au Yibimbongo, au Tikomonayo, au Lobinga na Yibimbongo? Je n'encourage pas les vols. Pourquoi ne pas créer des histoires qui bénéficient à la communauté? Yo oyibi okeyi koti mbongo na Canada, okoti mbongo na États-Unis na poto. Et puis tu voudrais revenir pour nous enquiquiner. Tout l'argent que Moïse Katumbi a volé, ezali wapi? Est-ce que ça na Congo? Akoko la kisabiso na Congo dans une banque du Congo. C'est où son code bancaire détient combien d'argent? Il ne peut pas nous montrer ça. Ça prouve déjà qu'il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congo. Mon ami, il fallait en Congo. Mais ils allaient à l'étranger. Et ils voudraient venir nous écraser avec cet argent. Mmh. Pas question. Voilà. Merci beaucoup, M. Djemadari Kilele, le président du Parti national congolais. Chers téléspectateurs, nous avons voulu juste recevoir ses compatriotes qui aiment son pays. Nous avons voulu analyser ensemble avec lui l'accord politique qui a été signé, disons, cet accord qui a été proposé. Je crois qu'il a un peu démontré, donné sa position, éclairci un peu la position de la CENCO, sa mission, sa vision. Donc, Bolandine Denga Otikopesa, CENCO missionné Zanines, qui a mis espoir RDC, je ne pense pas. Selon les déclarations de M. Kilele. M. Kilele, on s'étend presque à la fin. Je crois que beaucoup d'entre nous, bah, compatriotes, bah, dans la diaspora, bah, dans les bandes, Mboka, bah, dans les quatre, Mboka, bah, dans les choses branchées, bah, c'est quand même un éclaircissement, bah, c'est quand même un PID concernant accord Oyo, peut-être, bah, Mbsou, bah, et bah, qui en moté. M. Kilele, on s'étend petit à petit vers la fin. Je crois que tu es au Salamanchi, Timouke, en tant que compatriote, d'ici là, Coupe d'Afrique des Nations au Banda. De la mort au sport, Mouké. Nous avons reçu, je sais que vous l'avez dit, nous avons un peu reçu, je crois que le sportif va se retrouver. Moi, ma proposition, moi, ma formation, mon ACS, c'est que Flora Ibengazo, Lingatika, Léopard, Tikamboka, équipe nationale, a un niveau Afrique du Sud. Votre point de vue, proposition, Oyo, qui Beng Bazo proposé, à Tika, équipe nationale, a pour renforcer le club monde à niveau Afrique du Sud. Cause à la erreur moko grave pour Nande Konabiso Florent Ibengé. Naibi kozo sala, on sala, les foot et fouez à la mingi monene, naibi ango. Et ce qui peut-être aux autres les foot à monene, elles allient à cause. Il y a des dirigeants qui sont dans le Congo et puis le gouvernement est faux. Mais depuis au Bandaki, tu as fait un grand travail, mon très cher frère. Tu es un grand entraîneur. Koti Kambokate, peut-être au Kiko Kende, na poto sokolengi, mais pourquoi? Ce que tu dois faire, c'est de négocier ton contrat. Il faut. On sait la barre, en haut. Ce qui va se couper, ça y est, n'a pas de salaire. Ce qui va se couper, c'est 20 000 $. Il y a besoin de 30 000 $ par mois. Mm-hmm. Tu es un grand entraîneur comme les entraîneurs au Bazo qui entraînaient Manchester, Bazo qui entraînaient Barcelone. Tu es un grand entraîneur. Nous le reconnaissons. Koya Awate. Oeza mboka ma B Afrique du Sud Koya wate Batoyo Bamoni sa ba entraîneur Sony Pasi na Boale Tika na yabison de konangai 1998 Philippe Troussier un français il entraînait Kaiser Chiefs équipe Mounene locale yawe. Mounene locale je dis bien locale parce que ça n'a rien fait en Afrique. Les équipes à Bassi. Il a entraîné Kaiser Chiefs jusqu'à ce que Bazui posé dans Kaiser Chiefs va nommer entraîneur national de l'Afrique du Sud. Là bas corruption et bino bas congolais qu'on a abusé bas congolais parce que cette équipe ici a été qualifiée à cause de la corruption bas congolais les bas y a corruption.
faire qualifier équipe basse d'Africain, balongolier, parce que azo côté à discipline à équipe. Koye sa ba joueur comme la masangate ko ko zo ban basi tena tango ya match tango ya camp d'entraînement ba comme ko se plaindre ba bi ke non c'est un dictateur tout ça ba longolier même avant faire mandat na ye le ba longolier Japon ezouyé il a entraîné l'équipe de Japon Philippe Troussier jusqu'à amener le Japon leur Japon na Corée pour organiser coupe du monde. Il a amené le Japon à quart de finale, je pense que vous voyez bien. Mais awa ba fingié na ba média awa télévision tout ça ba fingié dera beta no ndembote buena boye. OK. Puis ba bandi ko changer ba entraîneur ya bango ba entraînement bazui pendant un moment avant Coupe du monde bazui entraîneur moko ya Mozambique Carlos Queiroz. Ba yena yao. Il n'a même pas fait, non? Bah, fingier, oh, il est bien anglais, oh, naïveté, qui leur a dit que c'est l'anglais qui joue le football, ou c'est le français qui joue le football? Football, ça comme Makolo, Moutou, n'a intelligence. Bah, fingier, il est bien, donc, mon côté, mon aboyé, bah, Kati Mandanaye. Le Bakati est bas, Manchester est juillet. Mais il a été un grand entraîneur en Angleterre. Il ne peut pas entraîner à Ebi Anglet, Bazui Brésilien, Carlos Pereira, ce qui Pereira, au Bayaka Nayao. Carlos Amemi Bango, la Coupe du Monde en 2010. Mais ils n'ont même pas traversé la première manche. Ils ont été éliminés. Même Bina Bango à Libos, d'ouverture. Contre Mexico, c'est le Mexico qui a marqué le premier but. Ils ont annulé ça et on n'a jamais montré ça. Le ralentissement, on n'a jamais montré ça. Mais Mexico a tiré le premier but. Il a annulé en gros parce que Ingez a boilé dans le stade jusqu'à ce que Joël Nabango, Tchabalala, a tiré le but. Tous les stades étaient debout. Il a dit que c'est un coup de main. Il peut ici là. Bakayi va Betty France France c'est qui n'a pas de problème va Anelka tout ça va Tombo quand il n'a pas entraîné la France était en débandade justement va passer par la victoire. Et puis il y a une autre fait compatriote Mutombo je pense qui avait entraîné l'équipe de Léopard ici et puis l'équipe de Mazem de Orlando Pirates jusqu'à ce qu'Azongi a Koufi Koya Awate Libenge. Koya Awate, entraîné Vita Club, Toimana, ton équipe nationale, ce que j'ai offert ailleurs, Kende, Koya Awate, vous avez passé le temps à vous faire, vous avez fini à vous, vous avez saboté yo, Awa, Koya na yo Awate. Nous avons dit que nous avons fait un jour, moko. Si tu te rappelles, na East Gate, mol ozokota na lift nga pe na zobima na East Gate nga na yo tokangi photo malheureusement na zobima kabwe ba detourner nga bazinga mutuka na telephone na zakata na photo na oteme koya na yo awate. Voilà, un message aussi pour na Léopard parce que baza partisan en la Coupe d'Afrique zo banda le 14 janvier avant. Dans tout mes souhaits au Léopard, le Léopard c'est une équipe légendaire, c'est une équipe qui fait trembler les stades africains. Malheureusement, nous n'avons pas une bonne fédération. Nous avons des gens qui font le fundraising de Hippolyte Kaname. Bamiyibi, Constant Omari, ou Amouyibi. Vous êtes là pour récolter de l'argent. Vous êtes membre à PPRD. Nous connaissons ça. L'inamovible président de la fédération. Point d'interrogation. Même l'équipe Afrique du Sud, Sundown, Ezu Coupe d'Afrique, le club champion. Il y a point d'interrogation. Toi, on doit t'interpeller.
Nengeni ni fédération etindi mukana na Vita Club. Vita Club e bundi e beti sanda nokuna e ya wa sanso ki match nil. Et puis vous dites mon fan de la lettre au Batinda, oh vous avez aligné un joueur oyo transfert na ezra ki effectivité. Tout un staff d'une équipe, vous ne connaissez pas comment répondre. Il y a un gouillet sous roche. Vous avez fait ça pour avoir de l'argent. Moi, je suspecte ça. Vita Club devait avoir cette coupe. Mais bah, éliminer Vita Club, Papessi, l'équipe Afrique du Sud, n'est qu'une étude finale. C'est suspect. Tout un staff dans une équipe, l'être y est, vous évitez que vous serez qui m'a bien. Et vous avez attendu quoi? Pour finaliser le transfert de ces joueurs, si c'est Ghanéen ou Malien qui était dans Vita Club. Donc, les Léopards, c'est une équipe légendaire. Une équipe qui a fait trembler les stades africains. Mais vous avez trahi nos enfants. Bazakana Mbongote, by Léopard. Talandaye. Naye Mobimba, Azangi, même chaise roulante. On l'a montré dans la TV5. Azangi, chaise roulante, ça coûte quoi, chaise roulante? Ici, ça ne coûte même pas 5000 rand, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et la fédération est incapable de lui donner, de lui acheter une chaise roulante, Ndaye Mutumbula. Non. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est inhumain. On ne peut pas faire ça à un compatriote. Il en est de même avec ceux-là qui sont pour les gens qui sont basés dans l'OIM et dans le Gabon. Bana nanga bazana OIM nazana 5 enfants na OIM. Je pense qu'ils viendront vous applaudir et je demande au Léopard d'y aller par patriotisme ndenge bazaye ko beta kalabazo pe sabino mongote. Aller par patriotisme, dignité, prestige et la défense de la nation. Il faut que ceux qui sont occupés, ils toujours occupation. Nous sommes occupés. Faites ce que vous avez fait au Rwanda. Devant un dictateur, devant un meurtrier, exploit Bossala qui la Kigali. Il faut se répéter Kuna. Mbongo Ezala. Ezalate. Il faut défendre honneur et pays. Il faut boire parce que Balinga a sauté dans le monde. Le fait que Bitumbeza Namboka Tozali occupé, il faut partout, mais pas une sorte de pays, il faut au Bunda pour marquer d'une lettre d'empreinte que le Congo existe et le Congo existera. Bokeye na Gabon, ne soyez pas corrompus. Ne respectez pas les instructions de la fédération. Commission. Cela doit cesser. Boza bananabiso, travailler pour le pays. Un jour nous serons bien. Travailler et ce travail doit commencer comme ça avait commencé à l'époque de Léopard. Rappelez-vous de Brinch Chinabo. Rappelez-vous de Kazadi. Rappelez-vous de Mouk. Rappelez-vous de Kilasu. Rappelez-vous de Didi Ballon, Manu Kakoko. Rappelez-vous de Mayanga Delar. Rappelez-vous de Kibonge, Djento. Rappelez-vous de Kidimu. Et bien d'autres. Et ça sonne pour la fédération congolaise. Bah miyibi, bah faux dirigeant. Bozangi si vite à club Coupe d'Afrique, bozu corruption. Nengo bosalaka na Coupe du Monde, ce qui a 2008, l'heure Afrique du Sud. Et que kobeta bisu na Togo. Toyebi ce qui s'était passé à en Afrique du Sud. Président de la fédération à l'époque, à Yokani, Namutumoko et à l'équipe de Jomo Sono.
équipe nabiso ayez comme ça l'entraînement awa après ba koti na avion moko pour ba que me ko beta na Togo soit disant que na Kinshasa Ebola ezali prétexte non ce qui basse d'Afrique ba que ko beta na Congo ba ko zo Ebola. Est-ce que Ebola est bon ou va tenir sur le Congo? Moto même Ebola, ils allaient à Kabila. Hier, moto même Ebola, ils allaient qui médicament, bah y a qui qu'ont testé na Kikuit et bombé bah tout le monde bah soso. C'est Kabila qui a fait ça avec les sociétés pharmaceutiques américaines et européennes. C'est lui. Bah on a vu sur bah y a Kobeta Awa. Ensemble avec les Sud-Africains, bah continue à vivre mon comme on a pu. Bakaye kobeta na Lomé na Togo na se ambula motobati comme gardien de but azaki gardien ya ya équipe ya Kaiser Chiefs qui était l'ami propre de docteur Kumalo un des joueurs sud-africains batu ya fédération congolaise ba pesa ki ba mitindo na bana biso bati ya golte po bazwa ki lar ya watoyebi toyebi pe sika bazwa ki lar na muto pesa ki lar toyebi pe na muto azwa ki mbongo na butu na 19h na bar nini na balabala Fortescue croisement Hunter na rale bar moko ba kongreza la kone sika bazwa ka lar toyebi yango ba kei na lomé ba ke ko beta ba pesa ngoba instruction ba tia ba bité mwana na biso Zico Ntumba mwana ya Tumba Pouce le légendaire a marqué but contre l'Afrique du Sud quelques minutes après ba longolier nous nous sommes demandé qu'est-ce qui s'était passé ton téléphone ba ton biso ba zaki kuna ba bi non azakana asma ndenga azakana asma alors balongole po malili ezo kanga nzoto nde balongolie or balongolie parce que il a désobéi na ba ordre ya ba chef na biso fédération l'air Afrique du Sud eti bi 1-1 ba inventer penalty moko moto atia ki penalty ezai kaka oyo joueur wa docteur Zoé Kumalo moto azaki na bo azaki ami na ingénieur sono il est mort il y a 1 ou 2 ans ayebi ko za camarade na ye a quoi kuna alors qu'il était capable de stopper le penalty avant que tu va mettre la balle ye a quoi kuna balle ko tikuna les léopards seront éliminés na Togo c'est ça le secret qui s'était passé même leur baye a wana 1998 là avant bakene kubeta na coupe du monde na Japon. Nous savons ce qui s'était passé à Durban. L'air Chabane non ndayawa. Toti premier but. Deuxième but. Toye bi batu ya mboka au ba côté ni bango na ba vestiaire bazo côté ba mo bango ba mongo na kati ya ba poche toye bi yango. Alors toi. Si c'est Constant Omar ou je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais tu dois avoir honte ou tu demeures là inamovible. Tu es un voleur. Un traître. Toi et Kaboulo Mola Kaboulo. Kaboulo Mola Kaboulo, toi. Il n'y a que toi qui es journaliste au Congo. Il n'y a pas d'autres journalistes. Yo osali correspondant au Canal Afrique. Correspondant à France Inter. Téléphonant à RFI. Téléphonant de la Voix de l'Amérique. Correspondant à partout. Directeur de programme. Journaliste. Je ne dis pas que tu ne dois pas reporter. Vous savez, quand vous êtes journaliste, vous êtes directeur des gens, vous devez vous retirer. Vous devez être dans l'ombre. Chimpumpu Chimpumpu est mort et n'a pas été reporter jusqu'à sa vieillesse. Nous nous rappelons de grands journalistes qui les Congolais. Chimpumpu Chimpumpu. Paul Basunga Nzinga. Ekolanga Mongalikita. Kabasongo Nyunyu. Et beaucoup d'autres.
pourquoi il n'y a que toi? Toi, Kaboulo Mona Kaboulo. On n'est pas jaloux de toi, hein? Mais pourquoi il n'y a que toi, directeur de programme? Depuis quand un directeur de programme se présente à la télévision pour reporter le match? Un directeur? T'as là quand on a un directeur, hein? Je ne me vante pas. Je gère. Les gens travaillent. Toi, tu es au micro, tu présentes et à la radio, et à la télévision. Ma mission, c'est kaka, yo kaka. Yo kaka, il n'y a que toi. Bon, ici, et bien, c'est comme un journaliste sportif, tu es. Insistif, je ne sais pas. Il facile. Il facile, c'est qu'on appelle là où l'on forme les journalistes au Congo. Il n'y a que toi. Tu atteins la soixantaine, tu es toujours là. Tu t'appelles journaliste au Jean-François Kaboulo, Mwana Kaboulo. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais respecte-toi et la dignité. Retire-toi. Donne la chance aux nouveaux talents, aux enfants, aux jeunes. Mais la voix du Zaïre ou du Congo ne t'appartient pas. Tala, l'ancien chroniqueur de la musique. Kabongongoi ou Ankumi Kumbi venait de mourir. Toi aussi, bientôt, tu vas mourir. Tu peux être membre de PPRD ou quoi. Mais sois humble. Donne aux autres la chance de s'exprimer. Ne sois pas autocrate. Il n'y a que toi, partout. C'est toi qui dois venir maintenant à la télévision. Un peu d'interview. Tu rentres en tant qu'un vétéran. Ça ne prend pas ton salaire, ça ne te diminue pas, mais Olinga Kayoka va non monana. Et puis la façon dont on présente les sports au Congo, mais c'est tellement honteux. Hein? Vous amenez des bouteilles de Primus à la télévision, vous amenez des produits de cosmétiques, hein? vous amenez Vodacom, vous donnez 15-10 minutes, oh, ce sont nos partenaires. C'est dans quel pays où vous voyez on fait une publicité de ce genre? On vient faire la publicité des savons, on amène des savons, on met des savons à la télévision comme ça. Hein? Les gens viennent parler beaucoup pour rien. Mais soyez dans le digital où la publicité, ça a 2, 3, 4 minutes, secondes même, ça passe. Mais vous amenez des gens qui viennent parler au Vodacom, au Rao Bank. With soul being higher, mind seeing, I want.